connaissez la chanson Puissance en Jésus, alléluia. Puissance en Jésus, alléluia. Puissance en Jésus, alléluia. Puissance en Jésus, amen. Alléluia. Puissance en Jésus, amen, amen. Puissance en Jésus, amen, oh. Puissance en Jésus, amen, amen. Puissance en Jésus, amen. Salut en Jésus, salut en Jésus. Avec nous, nous devons recevoir la sagesse.
Baptise-le. Nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus. Tu es mort avec Jésus-Christ. Et tu as ressuscité Jésus-Christ. C'est prêt. J'avais constaté que l'esprit de prophétie était déjà sur lui.
Saint-Esprit. Alléluia. Et dans l'eau, le Saint vient nous confirmer qu'il a établi comme prophète. Alléluia. 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 Le Saint va l'utiliser. Vous savez, le Saint aime tellement les choses qui n'ont l'air de Jésus. Des personnes à qui on ne peut même pas dire, mais est-ce que cette personne peut être sur la puissance? Est-ce que cette personne va peut quitter Nazareth? Alléluia! Gloire à Jésus. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour son nom. Le Seigneur donne de soucis des souffrir. Alléluia! Donc, quand il va rentrer en Dieu, c'est ça, non? À toi, voilà, à toi. Lorsqu'il va rentrer à toi, alléluia! Le fondement de la sainte doctrine, il sera sur la comme la sentinelle pour avertir. Rassembler les élus. Amen. Dieu va agir puissamment dans les miracles, dans les guérisons. Alléluia. Il soit sur par le frère. Bon, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Le Seigneur me dit de faire avec toi tout à l'heure. D'accord. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. D'accord, le donne un miracle. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, je te répondrai mon esprit sur ce cher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Il a demandé que le Seigneur lui accorde le don un miracle. Alléluia. Au ciel, c'est que les dons sont là-bas en désordre. Mais il n'y a personne pour recevoir ce don. Alléluia. Donc, toute personne qui demande avec un bon cœur, le Seigneur vous lâche. Amen. Nous avons prié du Seigneur. Alléluia. Ton serviteur demande que tu l'accordes. Alléluia. Alléluia. On va prier pour ça. Mais d'abord, on va prier pour le monde. Alléluia.
nom de Jésus. Nous nous séparons de la prison. Nous nous séparons de la prison. Gloire à Jésus, vraiment, nous avons la grâce de Dieu pour la merveille qui se passe ici.
à Gallois. Tout se passe à Gallois. Venez à Gallois, très écouter à Jésus.
Pas encore, attendez. Amen. La seule demande que j'ai vraiment donne le pouvoir vraiment de annoncer l'évangile à sa famille. Que le Seigneur l'utilise aussi pour faire des miracles. Afin que vraiment les gens viennent à lui. Amen. J'allais prier du Seigneur. Voici le vœu de ta servante. Mais même vraiment dit, je veux vraiment aller gagner ma famille pour toi. Pour les libérer de la sorcellerie, les libérer des superstitions, des idoles. Voilà, Seigneur, tu as écouté sa voix, elle souffre dans ta vie. Alléluia. Jésus, ton propre talent.
vous foudrez ici. Alléluia. On peut l'esprit. On a besoin de la puissance. Il est de Dieu. Par la parole, par le Père de Dieu. Et Dieu qui va le prendre au King. Par la vérité, par le Père de Dieu. On a besoin de la puissance. Nous sommes les amis. Quand on parle des femmes zélées pour l'évangile, en voici une. Alléluia. La servante de Dieu, Marie. Marie de Jésus. Amen. Donc, elle a souhaité que le Seigneur vraiment l'utilise dans l'œuvre de l'évangélisation. Effectivement, c'est ce que chacun doit désirer. Parce que lorsque le Seigneur vous utilise dans l'évangélisation, c'est-à-dire qu'il vous utilise dans tous les temps. Dans tous les temps, il vous utilise. Parce que lorsque vous êtes sur le terrain, il y a des malades que vous allez croire, il y a des gens qui vont les affliger, des gens qui ont besoin des paroles de consolation, d'exhortation. Le Seigneur vous utilise pour libérer ces paroles. Alléluia. Le Seigneur arrive de cette puissance. Marie, aujourd'hui, vous êtes équipée. Rien ne va plus te faire peur. Amen. Parce que désormais, les anges marchent avec toi. Les anges marchent avec toi. Amen. Donc, ne sois plus dans la peur, dans la crainte. Non, non, c'est fini ça. C'est fini. Tu vous parles avec la force. Amen. Amen. Parce que ton nom est écrit aussi. Alléluia. Amen. Accompagnez la servante de Dieu. Allez, on continue. On chope. Alléluia. 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 Quand il allait au temple de Jérusalem, il est resté là-bas. Il est pensé pour vous penser pas de Jésus. Vous pouvez passer votre enfant. Si vous ne savez pas que tu dois m'occuper des appels de mon père, on sait vraiment que vous êtes les appels de ton père. Ton père, c'est Dieu. Amen. Il ne veut pas que tu sois comme des enfants du monde. Il veut que tu sois les délinquants, les menteurs, les voleurs, ceux qui mettent la main dans la fosse, ceux qui mettent la main dans la poche, les parents. Non. Il ne veut pas que tu sois comme la vérité, les enfants vraiment qui étaient du monde, non. Il veut que tu sois comme Dieu. Que tu manifestes vraiment la soumission, l'obéissance. Alléluia. Il veut vraiment que tu parles de lui partout à tes amis à l'école. Tu vois maintenant. Donc lorsque tu vas partir au lycée là, tu vas parler de Jésus le Christ. Amen. Il va être beaucoup plus avec tes amis à l'école, au lycée. Amen. Donc il veut vraiment t'utiliser. Il va te délivrer totalement de tout ce qui reste. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse à la fin de ce bâton? Le frère Espoir demande que Jésus lui accorde le don de viser. Il veut vraiment manifester pour les choses surnaturelles. Il veut voir. Amen. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas tort de demander que Jésus lui accorde le don de vision. Si toi, tu veux me demander, Dieu va t'accorder. Dieu, c'est là-bas, c'est au ciel beaucoup, en quantité illimitée. Amen. Donc nous allons prier, nous allons demander au Seigneur vraiment de transformer espoir. L'espoir que nous connaissions ne soit plus l'espoir qui va revenir, mais l'espoir qui incarne vraiment Jésus-Christ de Nazareth en obéissance, en soumission, en travail. Amen. Père, au nom de Jésus, papa, je veux prier pour ce Seigneur. Papa, nous allons transformer pendant ce moment. Seigneur, grandement avec toi dans ces eaux de la vie. Seigneur, nous sommes tellement
maintenant, Seigneur. Afin que tu fasses une sève, 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 Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va faire comme ça? On va te baptiser. Espoir. Te baptisons au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie maintenant. Remplis Jésus. Remplis espoir. Espoir maintenant de ton esprit. Que l'esprit de Christ descende sur l'espoir. Maintenant, que le cœur de l'espoir maintenant soit rempli. Maintenant, 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 Seigneur Jésus, change sa mentalité, change sa mentalité, donne la foi à moi, donne la foi à toi, donne le sel de l'évangélisation, qui reçoit le feu de l'évangile, qui reçoit le feu de la sainte doctrine, qui soit le serpent de la sainte doctrine, Seigneur Jésus, par ta situation, c'est des enfants qui te disent, pour parler de ta part, je prie qu'à moi de maintenant, que tu marches avec espoir. Que tu marches avec espoir. Passe-toi, Garouen, si tu utilises le Seigneur Jésus pour accomplir ta volonté. Je vous parler à des sages, à des saints, à des gens de ce monde. Seigneur, je te prie, donne l'intelligence pour réussir à l'école. Pour porter ton nom aussi haut que possible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand nous te présentons ton fils espoir, nous faisons de lui en ce jour un soldat pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi, Père, qu'il reçoive en ce jour toutes les armes de Dieu. Qu'il reçoive le casque du salut, qu'il reçoive la cuirasse de justice, qu'il reçoive la ceinture de la vérité, qu'il reçoive les souliers du sein de l'évangile, qu'il reçoive maintenant l'épée et le bouclier et le bouquet de la foi, qu'il reçoive le cuirasse revêtu, qu'il reçoive les armes, qu'il reçoive les armes offensives et défensives pour détruire. Mais aussi pour anéantir la force de l'ennemi. Père, que tu le sens maintenant, que tu le remplis, Seigneur des armées, que notre puissance soit à nous, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nouvel espoir. Gloire à Jésus. Voici le nouvel espoir de Garoua. L'espoir que Jésus envoie à Garoua. La consolation que Jésus envoie à Garoua. Il va parler devant les rois. Il va parler devant les gouverneurs, devant les chefs, les autorités. Alléluia. De la part de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'onction de Dieu est sur lui. Alléluia. Va, espoir, Jésus. Pour accomplir la volonté de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, c'est ça la boisson. Vous avez déjà en soif. Donne le bien à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est notre frère. Le frère Boultou. Alléluia. Boultou va sera enterré aujourd'hui. Amen. 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 Dans notre conscience, c'est l'esprit. Tout ça. Il y a fait avec cet esprit. Bon. Moi, je cherche cet esprit. Moi, je cherche cet esprit. Moi, je cherche cet esprit. Parce qu'il va se sortir. Sauf que ça va rayonner. Alléluia. Amen. Jamais fléchir genoux devant les idoles de ma famille. Est-ce que tu es prêt? Ça veut dire qu'aussi, lorsqu'on va vouloir organiser des cérémonies dans la famille, quand on va taper pour dire venir, viens allumer le feu, viens faire ceci, viens donner des huiles au fétiche, ça veut dire que tu vas refuser, tu vas fuir. Est-ce que tu es prêt? Ça veut dire que tu n'as pas de huile. Tu n'as plus boire l'alcool. Tu as plus fumer la cigarette. D'accord? Ni nos points de cola, tout ça, chose. Fini! Tu es prêt? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse? Alléluia, qui nous envoie? La lumière et la puissance. Alléluia! Il a demandé que Jésus lui donne la lumière. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde. Elle allait vers les cieux, les cieux l'ont rejetée. Mais tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, la lumière a fait d'eux des enfants. Alléluia! Puisque tu as demandé la lumière là, est l'une des grandes choses que tu as créées pour ordonner la création. Amen. Donc,
nous allons pouvoir dire Seigneur, on va d'abord révoquer le nom de Boutou sur sa vie. Tout démon qui répond au nom de Boutou sur la vie de notre frère, à partir d'aujourd'hui, ne pas que la loi soit brisée. Toute connexion de Boutou sur sa vie soit anéantie. Prions au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout le nom, tout alliance, tout le nom qui porte le sang, tout le lien avec le séparant, tout le sang de Jésus. Tout le sang de Jésus. Je vous laisse la maison avec un sang. Je ne sais pas. Qui porte ce nom-là. Je dis tout ça cela au nom de Jésus. Toutes les malédictions, toutes les malédictions, les chèques, les blocages, les aides, je veux couiller dans ce nom. Tout est pris maintenant. Tout le sang de la terre. Tout le nom de Jésus. Tout malheur. Désormais ton nom, c'est Jacques. Le frère Jacques de Jésus. Alléluia. Jacques de Jésus. Quand vous ne vous dites jamais, vous êtes mort il y a longtemps. Vous êtes enterré dans le fleuve. À la Benoué. À la Benoué, voilà. Il est enterré ici. Il est parti en enfer, c'est fini. Maintenant, celui qui vit, c'est Jacques. Jacques de Jésus qui est au ciel. Amen. 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 D'accord. Jacques, nous te baptisons au nom de Jésus qui est mort et qui a resté avec Jésus. Sainte Seigneur Jésus. Sainte Dansez les baptisés. Alléluia. Amen, amen, amen. Les doigts là, ça ne touche pas la caméra. Gloire à Jésus. Voilà, peuple de Dieu. Yes, bien-aimé. Regardez comment il est. Regardez comment il est. Qu'est-ce que vous constatez? Il est revenu à la vie. Qu'est-ce que vous constatez? Ta gloire de Dieu. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Alléluia. Alléluia. Il est devenu plus rayonnant. Amen. Avant, il était froissé. Comme ça, comme ça. C'était Boutou là. C'était comme ça. Maintenant là, c'est Jacques là. Jacques. Le frère Jacques. Jacques de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Jacques, vraiment, il va servir le Seigneur, il va évangéliser. Parce que le Seigneur l'a rempli de son esprit.
de sa force. Il a la lumière de Dieu sur sa vie et va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Jacques va annoncer l'évangile et faire la volonté de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Commander toutes les âmes qui sont passées dans les eaux, dans les mêmes gens du Seigneur, que le nom de chacune des âmes soit inscrit dans le livre de Dieu. Que rien ne vienne effacer leur nom. Que rien ne vienne détruire le chemin de la vérité. Prions pour ces âmes. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous accompagne. Que toutes les choses soient de nous, que nous soyons nous les saints. Nom de Jésus, nous accompagne nos familles, contre l'Église, contre les petits parmi Et nous prions au nom de Jésus, nous déclarons, vous, esprit de sirène des eaux, démons de vengeance, nous lions tout esprit de représailles, nous frappons les démons de vengeance, les esprits vengeurs qui viendront contre nous, contre les membres de nos familles. Nous vous lions maintenant au nom de Jésus, toutes vos flèches, vos armes, ça détruit maintenant ce jour, au nom du Seigneur, Père, que la sirène principale, le temple me soit encore frappé par le feu, que le monde est ici et les anéantisse. Fais également Dieu du au nom du Seigneur. Amen. Pasteur Jean-Pierre, on sort de l'eau. Père, merci encore, Seigneur, pour les serviteurs, pour tes enfants que tu as mêlés dans ces eaux. Merci, Seigneur, pour tout cela que tu as encore équipé et appelé, Seigneur, pour nous. Seigneur, merci pour ce moment. Encore, Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce le chemin retour. Merci, Seigneur, de remplir tes serviteurs. Merci de les ressourcer encore. Merci de les remplir de ton onction et de les revêtir. Merci, ô Père, oui, qu'il y ait une augmentation. Tu as dit, Seigneur, que nous prions son salaire. Alors, Seigneur, parce qu'ils ont travaillé, Seigneur, ici même, ils ont donné, Seigneur, de leur cœur et de leur vie. Alors, Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que les forces ne leur manquent jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. 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 Vous êtes baptisés. Un dernier conseil que le Seigneur veut vous donner. Si vous continuez vraiment, désormais, la marche que vous vivez, menez. Amen. Vous pouvez voir que vous pouvez voir que vous pouvez voir. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alléluia. Ce matin, le baptême qu'on veut faire, c'est la mort et la résurrection. Quand vous plongez dans l'eau, c'était votre mort avec Christ. Alléluia. Et quand vous revenez, c'est la résurrection avec Christ. Et comme Christ ne pourra plus mourir, vous aussi ne pouvez plus mourir.
Si vous comprenez maintenant. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit si réellement, vous avez compris que vous avez été ressuscité avec Christ là. Désolez votre désir. Qui c'est à où? Moi c'est qui c'est? Jésus est où? Jésus est où? Jésus est au ciel. Ça veut dire que désormais, vos désirs seront portés vers le ciel. Parce que vous n'êtes plus de la terre. Alléluia. Tout ce qui est de la terre en vous a été déjà enterré. Et parti pour toujours. Pour ne plus revenir. Car vous êtes morts. Amen. Quand j'ai un cadavre, est-ce qu'il peut réagir? Donc dites-moi. Si je frappe un cadavre, est-ce qu'il peut réagir? Si je piétine, que je pèse un cadavre, est-ce qu'il peut dire? Alléluia! Parce que vous êtes morts! Désormais, le monde va vous insulter, mais vous ne pouvez pas vous être morts. Vous le réagissez. Vous devenez ainsi. Amen! C'est ça la mort. La mort, la mort.
Jesus.